Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où je vais vivre avec Laure Boulot et Arsène le match qui a eu lieu entre le Portugal et la France dans ce dernier match poule du groupe F. On était dans un appartement qui était équipé totalement par électrodépôt et qui nous a proposé de vivre le match ensemble. On a fait un live sur YouTube, je vous fais un résumé maintenant. Nouveau job, nouveau poste. Il manque deux étoiles. T'es impassible, voilà. C'est dur à voir tes émotions sur le visage, donc là t'es plutôt confiant ou plutôt t'as peur Moi, je suis confiant mais pas trop non plus parce que j'ai quand même un peu peur du match. Je sais que le Portugal ça joue bien également. On sait que le Portugal c'est une équipe très compliquée à jouer. Mbappé, Griezmann, Tolisso, mais Tolisso sera plus du coup au milieu de terrain. Arsène, c'est le seul mec qui donne la compo à l'envers. Genre, ouais, ah oui. Il donne les attaquants. Il commence les attaquants. Et toujours. Mais non, mais fais toujours un truc normal, genre les gardiens de but. On va devoir faire des pizzas qui vont présenter le match de ce soir. Donc t'en vas en premier, non? Ce soir t'es en premier. Oulala. Moi je suis là pour gagner, vous avez pas compris. Ah non, on va nous faire le drapeau du Portugal. On va nous faire le drapeau du Portugal avec des poivrons. C'est chèvre, vous pouvez me dire. Là, c'est mozzarella. What the fuck? Ah! Oh l'idée, c'est incroyable ce que t'as fait. 17, 18, 19, ah oui! 20, 21. Non, mais elle est trop forte. 22, elle est trop forte. 23, on valide. 24. Je pronostique 3-2. Pour la France. Il faut que je donne des buteurs? Au moins un but de Benzema, par exemple. Ben ouais. Bon, allez, s'il y a un but, du coup, je fais 50 pompes. 50 d'affilée? 50 pompes? Si vous voulez, oui. C'est vrai? Oui. Bah, ouais. Bah, s'il y a un but de la France, ouais. Ok, ok, ok. Apparemment, il y a 1-0 pour la Hongrie. Ah bon? Face à l'Allemagne. Mais non! Oula, le Sander sur CR7. Oh là là, qu'est-ce qu'il saute haut? Si la Hongrie gagne, c'est la Hongrie qui est deuxième. Oh là, Mbappé, allez! Il est pas en jeu. Allez, roulez l'arrêt! L'arrêt de Rui Patricio. Il est pas en jeu. Coup franc. Attention, la sortie de Lloris. Le point. Non. Penalty. Oh, penalty pour le Portugal. Attendez, parce que là, Pereira, il est vraiment pas bien du tout là. Ah ouais! Il tape la balle, non? Non, il est en retard. Il est en retard, Lloris, ouais. Penalty, Cristiano Ronaldo. Ah, il y a Cristiano Ronaldo. En général, c'est souvent en bas à gauche. Ouais, Cristiano en bas, t'as à gauche, dit en bas à gauche. La classique. 1-0 pour le Portugal. But de Cristiano Ronaldo. Okay. Ça va être compliqué. Mais ça va réveiller les Français. Penalty? Penalty? Pour la France? Peut-être. Attends, il y a péno. Il y a la VAR. Peut-être un penalty partout, ce serait magnifique. C'est horrible d'être arbitre. Il y a une petite poussette, mais je pense pas que ça se siffle. Alors, il y a péno ou pas péno? Bah, il a sifflé péno, mais est-ce que ça va être revu par la VAR? En tout cas, juste avant la mi-temps, un petit penalty. Putain, c'est Benzema. C'est Benzema qui tire. Mais arrêtez. Mais arrêtez. Non mais arrêtez, attendez. Parce que là si Benzema il loupe un deuxième pénalty. Ouais, et là tout, ça va mal parler sur lui. Oui. Ah c'est bon. Terminé, ça veut dire quoi? C'est validé. Penalty, ouais. Check over. On a le hold up incroyable. Non. Allez Karim, s'il te plaît. Allez Karim. Yes. Allez. Un partout. Allez Karim qui ouvre son compteur but. Wouh. Ah il va lui faire du bien celui-là. Premier but depuis son retour en bleu. Moi j'ai dit 3-2. Accrochez-vous, c'est pas fini. Non, c'est pas sûr. Moi, je trouve ça très gentil. Moi, je trouve ça très gentil. Moi, ouais. Je vous le dis, je trouve ça très gentil. Dans les commentaires, dites-nous si vous trouvez qu'il y avait penalty ou pas. 6, 7, 8, 10, 50. Putain. Ah. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu déçu de Koundé? C'est globalement parce qu'on est un peu déçu. C'est pas forcément Koundé. Oui, pas forcément Koundé en lui-même. Il a pas. Il a rien eu à faire. On va sur vers Mbappé en profondeur. Allez. Non, c'est Benzema. Benzema. Allez, Benzema. Allez, Benzema. Allez, le doublé. Oh là là. Hors-jeu. Non. Mais il a l'air de faire la gueule. Ouais, il fait la gueule. Ah ouais. Moi j'en ai ras la casquette de ces hors-jeu. Enfin, si c'est Benzema encore. Après, ça peut être checké. Peut-être ça m'aurait mis mal à l'aise pour mon analyse d'avant match. Il y a le grand sourire, l'arbitre. Comment ça, t'as le sourire? Il y a Il va accepter, c'est bon, il va accepter. Il est pas hors-jeu, carrément. Ouais, il va être donné normalement. Il va être validé. Ah, sinon, c'est un scandale. Allez, le second central. Oui. Karim Benzema. Laure, elle en parlait, hein. Le joueur à surveiller, c'est le match qu'il doit faire, c'est aujourd'hui. Rabiot, hein. Alors qu'on rappelle quand même que le Rabiot qui rentre défenseur gauche. Et il joue arrière gauche. Il va être facile, hein. Il va être trop élégant. Ouais. Et regardez cette montée. Adrien Boulot. Adrien Boulot. Mais il est trop fort. Il est trop fort, latéral gauche. Bien joué au cœur, dans le cœur du jeu et tout. Ah, y a main. Non, main de Koundé. Si, je crois qu'il y a main de Koundé, ouais, si, ouais, penalty. Penalty pour le Portugal. C'est quoi ce match 3 penalty? Alors, match nul, du coup, le Portugal rebascule. Attention, Ronaldo. La même chose. Exécution de Ronaldo, c'est incroyable. Allez, Benzema le triplé. Est-ce que vous voyez le triplé de Benzema? Non, Mbappé. C'est un latéral gauche hybride. Peut-être. Oh non, il a dû tirer sans contrôle. Allez. Wow. C'est quoi cette phrase de malade? Paul ou Paul, Pogba. 5, 6, 7, tu peux continuer. 8, 9, 10. Allez.
Oh, il y a faute, je pense. Oh, il s'écrase sur lui. Mmh, il est passé, oh, hein. Oh, il s'écrase. Oh, bien sûr, il y a faute, il y a faute. Si à la barre, c'est pénalty. Ou en tout cas, il est dans la surface ou en extérieur. Il y aura check, il y aura check de la barre. Il va rester par terre. Mais 90, mais ça serait incroyable le scénario. Il va lui dire l'arbitre, il y a pénalty. C'est une blague. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a pas de pénalty. Mais il se passe quoi là? C'est une plaisanterie. Il y a eu la VAR pourtant. Mais non, mais vas-y. C'est... Ils estimaient peut-être que la balle était déjà partie trop loin. En tout cas, il lui met ses crampons. Il a ses crampons sur son mollet sur et la balle n'est pas sortie. Il y a faute quoi qu'il arrive. Ça y est. Bon, première place. En tout cas, on est qualifié. 49, 50, 0. Et voilà, le drapeau du Portugal qui commence à apparaître sur la tête de Vin Sky. Ils nous l'ont tué. 3h05, live. Ok, c'est chaud. Et la France, premier. Let's go, on continue. Retour au Wembley. Et voilà le match qui se termine donc sur le score final de 2 buts partout. Encore un match compliqué face au Portugal, c'est toujours un peu la même chose. On espère ne pas les retrouver en finale comme en 2016. Alors dans ce cas-là, faudra les battre. Je vous dis maintenant que je serai à Bucarest en Roumanie pour aller suivre la France. Si vous voulez une vidéo vlog de ce match, mettez un pouce bleu. Allez, peace and game, et n'oublie pas, face c'est bien, le foot c'est mieux.